Ok, donc là, arrive au port d'Orly, petit décollage pour aller au-dessus de Villeneuve-Saint-Georges, la ville où je vis, où je travaille. Je vais faire une fois le tour, puis une deuxième fois, et ensuite je raterris Orly et je coupe. Je suis avec Vincent, et là on va faire un petit vol sympathique, en espérant qu'à cause des nuages, mon PC ne rame pas trop. Parce que là on est en vide, en météo temps réel. Donc faut savoir que là en vrai bah, il fait ce temps-là à Orly. Aujourd'hui le 20 août. Alors, on va démarrer la petite avion. Alors, donc là déjà j'ai commencé par mettre en on ici la vanne d'arrêt de carburant. Il faut qu'elle soit comme ça. Si elle est comme ça, elle est fermée. Si elle est comme ça, elle est sur on, elle est ouverte. Si ça c'est pas mis, vous ne démarrerez jamais le véhicule. Ensuite, vous mettez la batterie sur on, tac tac tac, et on démarre. Ensuite, bah, on met les strobes, hein, les lumières taxi, tac, on met le volet sur décollage, et on est prêt à partir. Eh oui, c'est aussi simple que ça, c'est un petit avion, hein, y a pas plus facile. C'est comme démarrer une Toyota Yaris, quoi. Voilà, vous pouvez voir le modèle, qui est très sympathique. Même les phares à l'avant, c'est de la LED, hein. C'est très joli. Ça envoie du pâté. Alors Vince, tu es où, s'il te plaît? Ah, t'es là, Je suis ok. en bas de toi. Nickel, parfait. Hop, je vais relever un peu le siège. Voilà. J'enlève le frein à main. Et on est parti. Piste 7, normalement. On va voir. Je vérifie l'ATC. Décollage, piste 7, voilà c'est ça, donc c'est la piste juste à droite. Allez, on y va. Accélération. Et c'est parti. Donc là, le trafic, c'est fluide. Il n'y a pas visiblement aucun autre avion à part nous. On va pouvoir décoller tout de suite. Attends, je ralentis un peu pour m'aligner sur la piste. Et je freine car on va faire un petit décollage serré. Toi, tu prends la piste de gauche, je prends la piste de droite. Sur Lotus. C'est bon, t'arrives? J'ai l'impression que les strobes ils sont pas mis. Tu vois mes strobes moi? Tu vois mes lumières vertes et rouges qui clignotent? Oui. Ok, bon nickel. Moi je vois les tiens aussi donc du coup. Un petit screen pour le fun. Ok, 3. Attends, frein à main d'abord. On met les moteurs sur 100%. 3, 2, 1. On lâche. Regarde devant parce que ça tangue avec le vent. Ok, en airspeed là je suis à 60. Bientôt, voilà, je suis à 60. Ça décolle, c'est bon. Désolé, j'ai piqué un peu à gauche. Voilà. Nickel, je rentre le train. Tac. Je garde les volets sur décollage, hein, histoire qu'ils me mettent un peu d'altitude. Tu passes à gauche, Vince? Nickel, je t'ai vu passer. J'ai mis pause une seconde, hein, donc je suis derrière toi, à droite. Nickel, gros. Alors. Paris est à gauche. Je vois pas la tour Eiffel, c'est bizarre. La tour Eiffel, je l'ai pas vu. Parce qu'on va.
Ok. On se rapproche de Villeneuve là. Là on est au-dessus de. On va être encore au-dessus d'Orly, mais on s'approche de Villeneuve-le-Roi là normalement. On va voir, ça c'est triage. Donc là. Là il y a l'Orly. Ouais c'est ça, Villeneuve c'est à gauche là. Là c'est la Seine. Ça a rien amélioré hein, franchement. Ouais. J'ai augmenté les détails graphiques, c'est pas. On voit toujours les routes bizarres, on dirait qu'il y a de l'herbe dessus quoi, tu vois. Là il y a le crématorium. En bas de moi c'est le cimetière. Ça c'est le parking de la gare. Bon attends, j'enlève les flaps de décollage, je les mets normal. Là il y a le stade SNCF. Normalement il y a un dôme, on le voit pas. Ah, j'ai joué que crash. Oh merde. J'ai voulu un peu améliorer mes graphismes, mais ça va pas. C'est pas joué. Vas-y, bah de toute façon, je continue à faire le tour, moi, vite fait. Ça, c'est la caserne des pompiers, ça, c'est le centre technique municipal de Natal France. Ça, ça doit être l'école Marseguin. Ça ressemble pas vraiment, mais comme je connais, on reconnaît. On reconnaît le terre-terre. Attends, je vais baisser ma vitesse là parce que je contrôle plus l'avion. Même quand je veux descendre, il me fait remonter. Je fais de la haute voltige. Ça. Ouais, tu vois, ça ressemble pas, hein. Franchement, les bâtiments sont même pas du tout ressemblants. Ça, c'est le fort des pompiers. Non, c'est peut-être ça le fort. J'arrive même pas. Si, c'est ça. Ça, c'est le fort des pompiers de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, ça, c'est l'école Victor Duruy, place de l'Europe. Ça ressemble pas beaucoup. Un bug, j'ai plus de nuages. Normal. Connect ? Hein ? Tu te connectes ? Non, c'est parce que je me suis déconnecté. Non, mais non, je suis en temps réel au niveau météo. Non, c'est moi qui te le donne, vu que j'étais en. T'étais l'ennemi. Là, le leader ? Ouais. D'accord. Oh, ça fait bizarre, d'un coup il a fait jour. Pouf. Mais je reconnais rien, hein, pratiquement. Tiens, ça c'est le pire.
hôpital, ça. L'hôpital de Villeneuve. Qui ressemble pas du tout à l'hôpital qu'on a normalement. Presque pas. Avec son parking, on dirait de la fiente de pigeon écrasée sur le sol. Si on dézoome beaucoup, ça fait quand même un peu plus propre quand même. Ça, c'est le cimetière du coup. On dirait un champ en plein hiver avec de la neige. Ça fait bizarre. On dirait pas un cimetière du tout. Ah, t'es revenu. Non mais je me suis mis ailleurs, 30 minutes. Ok. De toute façon, on voit rien. Ça c'est le carrefour Pompadour, ça. Putain de rond-point que je déteste le plus. Par là-bas c'est... Créteil. Ah, la station d'épuration.
Là, c'est la plage bleue. Je sais pas si on voit le labyrinthe là. Est-ce qu'on voit le labyrinthe de la plage bleue? J'ai pas l'impression. Ah, si, là-bas. Bon, l'horreur que c'est. Bon, putain. Autant coller un attrape-mouche sur une vitre. Ça donne le même effet, c'est visuel. Ah la vache, je m'y attendais pas. Bon, j'ai rien dit, c'était pas la plage. Enfin si, c'est la plage bleue, mais... La carotte n'est pas du tout. Sur quoi je m'attendais. Bon bah voilà, je pense que c'est bon, on a fait le tour de l'UNAV là. Ça c'est quoi, bâtard ça? Ça ressemble pas trop. Ça du coup, ça doit être Pierre Brossolette certainement. Non, Arago plutôt. Puisque là c'est le fort des pompiers, ouais, derrière ça doit être Arago. Ça fait un château le truc, c'est Versailles. Bref. Et ça c'est le pont. Le roi. Neuf Saint-Georges. Bon allez, je vais atterrir. Alors. Train d'atterrissage. Volet sur atterrissage. Bon après il n'y a pas à chier comparé à l'ancien Fly Simulator, celui-là est vraiment magnifique. Même si bon. Il y a encore des mises à jour à faire sur certaines textures et bâtiments. Sinon franchement c'est... Du jamais vu. Atterrissage. Par contre Orly il est, je sais pas, je trouve qu'il est pas si bien modélisé que ça hein, franchement. Les pistes sont belles mais ce qu'il y a autour là, l'herbe et tout, pas top. Piste 25. Allez, c'est parti, je me pose. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, tout de suite, après cette posée, il faut vite aller sur un côté, quoi, un taxiway, au cas où si un autre avion veut atterrir. Interdit de rester immobile sur piste. Bah voilà. Malgré les nuages, hein, c'était sympa. M'arrêter là.
Tac. Et voilà. Je mets le frein à main. Je coupe les lumières. Je coupe le contact. La batterie. Et le réservoir. Et voilà. Fin du vol.